Heureux coucou tout le monde. Alors, maintenant, avec des chutes ou de nouvelles baguettes, hein, toujours faites dans. Voilà, vous prenez toutes vos chutes. De la même couleur, par contre, quand même. Et d'une couleur assortie au papier Stamperia. Donc, comme le papier uni qu'on va utiliser, le papier Florence est rose. J'ai mis du ivoire dessous. Vous pouvez mettre aussi du blanc si vous avez envie. Vous faites des baguettes. Vous collez votre baguette là au sommet. Voilà. Bien sur le plat et bien sur la tranche. Voilà. Et vous la laissez bien coller. Hop, une autre baguette un peu plus large que les 5 cm. Voilà. Que je colle aussi bien comme il faut d'un côté et là bien comme il faut sur la tranche. Alors normalement il faut bien laisser sécher, mais moi j'ai pas le temps d'attendre. Donc je replie et là je marque l'épaisseur de la tranche. Voilà, et je colle. J'avais déjà mis la colle avant, hein. Mais vu que vous avez bien laissé sécher, vous mettez la colle et vous faites. Et il faut que votre tranche soit bien plate comme ça. Même chose ici, bien collée au bord et après je marque la tranche et je colle. Voilà. Puis vous coupez à ras du carton, ici, suivant l'angle du carton. Hop, bien à ras. Voilà. C'est pas le plus facile à faire. Enfin, disons que je trouve que c'est jamais coupé bien net quand on essaye d'être bien à ras. Mais c'est pas très grave puisqu'après on recouvre encore avec l'autre papier. Voilà. Et maintenant, on va refaire des baguettes. Voilà, un peu plus longue là que la pente. Et on va refaire la même chose. Alors là, je vais bien la laisser sécher parce qu'elle est longue, hein. Donc je vais mettre ma colle sur une baguette. Et ici, j'en mets sur la tranche du carton. Voilà. Je colle à l'extérieur. En bas, vous faites attention, là, ici, dans l'angle, d'aller le plus bas possible, mais sans pour autant vous empêcher de rentrer votre baguette à l'intérieur. Après, là, il faut qu'elle puisse se replier à l'intérieur. Voilà. Et ici, avant que ça soit collé. Ah. Comment je vais faire pour arriver à vous le faire devant la cam? Ça va pas être super pratique. Je vais couper. Bon. Je vais couper un peu plus long au début pour pouvoir y voir. Et après, je vais couper un peu plus court. Il faut. Oh, je ne suis pas tout à fait bien droite là. Voilà. Ok. Bon, ben là, j'ai pas bien fait là. Il y a un petit bout qui. J'ai coupé dans l'autre sens. J'ai coupé comme ça alors qu'il fallait couper comme ça. Je suis con, hein? Mince, zut, pec poisse. Ici, là, c'est bon, mais là, il fallait pas couper comme ça, mais au contraire, comme ça. Donc, je vais refaire. Allez, c'est pas bien grave. Celle-là, elle fait combien? Elle fait largement 4. On va la couper en deux. En fait, le but, c'est qu'on ne voit pas de carton gris. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des endroits où on n'a pas bien jointé et où on voit le carton, bêtement. Donc là, il faudrait essayer. En fait, je vais peut-être faire comme ça. Normalement, on pointe comme ça. Et bien là, je vais pointer comme ça. Et je vais voir si ça me va.
Eh bien, ça me va parfaitement. Alors, mon truc mûche est pas tout. Qu'est-ce qu'ils ont, ces ciseaux? Ils coupent plus bien ou quoi? Voilà. Là, ça me va. OK? Donc, je vais coller ça et puis en bas, je vais voir comment j'arrive à couper le bas. C'est une très bonne question. Je remets un peu de colle sur la tranche parce que depuis le temps, elle a été ou pompée par le carton ou sèche. Donc de ce côté-là, c'est bien collé. Et là, il faudrait aussi couper un peu droit. Et c'est ici qu'il ne faut pas que je me trompe. Et ici, vous repartez dans l'autre sens. Vous ne continuez pas comme ça. Hein? Là, vous coupez bien droit. À ras du carton, ici. Et quand vous arrivez à la jonction ici, vous recoupez dans l'autre sens. Ce qui fait que normalement, je devrais. Ouais, mais j'ai coupé un peu loin. Mon coup de ciseau a été un peu loin. Mais sinon, voilà, là, tout est bien planqué. Maintenant, je marque bien ma tranche. Alors, si toutefois, malgré toutes vos précautions, vous avez un petit bout, là, minuscule, de gris qui se voit, vous pouvez y mettre un petit coup de crayon, ou un petit coup de peinture, ou un petit coup de quelque chose de la bonne couleur, pour essayer d'atténuer qu'on ne voit pas trop le gris. Et puis, si vraiment on en voit un petit demi-millimètre quelque part, et ben tant pis, c'est pas non plus une monstrueuse catastrophe, hein. Voilà, vous faites du mieux que vous pouvez. Et ensuite, vous ferez ce morceau-là. Alors, toujours la même chose. J'ai vraiment j'ai vraiment un massicot là qui me mâchouille le papier, mais je vais finir par couper au ciseau, carrément plutôt qu'au massicot, parce que là, c'est plus possible. Il faut que je regarde, j'ai dû me tromper, j'ai dû attraper un vieux massicot au lieu d'attraper celui qui est à peu près en bon état. Alors, là, je vais prendre une baguette de la longueur du bas, ok? Et évidemment, ça ne rentre pas, mais c'est pas grave, vous allez voir. Ah, au secours, il y a plein de boue qui me gêne. Je mets de la colle d'un côté de la baguette. Voilà, et je colle ici pour l'instant. J'ai quand même ma baguette qui est un petit millimètre trop grande. Voilà. Là, c'est bon. Et ici, vous faites une petite coupe de l'épaisseur de votre carton, mais sans enlever le morceau. Est-ce que je suis allée jusqu'au bout? Là. Voilà. Hop, hop, hop. Maintenant, je vais mettre de la colle un petit peu ici sur la tranche du carton et tout ici, là. Voilà. Et ici, ben non. Ah oui, mais c'est parce que j'ai fait ce côté-là avant de faire l'autre. Oh là là, mais des fois, je fais n'importe quoi. Voilà. Donc maintenant, je peux bien marquer ma tranche, bien la faire coller. Et ici, ça n'a qu'à rester là pour l'instant. Ça sera camouflé après par le papier, là, celui-là. Et condition qu'il me reste de la colle. J'en remets de partout sur l'onglet. Voilà.
Alors ici bien à plat, ici bien marqué. Voilà. Et une fois que tout est bien marqué, on peut le faire coller. Voilà, bon ben le reste sera camouflé parce que heureusement que ça sera camouflé par du papier scrap. Hein. Et ben bon courage parce qu'il faut faire tout le tour. Voilà. Donc je vais faire tout le tour et je reviens vous montrer après. À tout de suite. Me revoilà. Alors, après avoir testé. Je vous mettrai le message hein, avant de vous mettre la vidéo, enfin en même temps que je vous mets la vidéo. Je pense qu'il faut impérativement faire en premier les deux bas, ici et là, puis les quatre montants et finir par le sommet. J'ai d'ailleurs remis un deuxième morceau. Oh là là, mais j'ai fait baver de la colle de partout, c'est une catastrophe. J'ai remis un deuxième morceau pour que ça soit plus net. Voilà, mais ça sera beaucoup plus joli si vous le faites dans cet ordre-là. Donc, ces deux-là en premier, puis ces quatre-là, puis ces deux-là. Et voilà, tac, zim, boum. Bon, ben, c'est fini pour cette vidéo-là. On va, je vous dis bye-bye et je vérifie que j'ai rien oublié nulle part, aucun angle, aucun rien du tout. Tout va bien. Tout est entouré de papier crème. Voilà, ivoire, pardon, il ne s'appelle pas crème, il s'appelle ivoire. J'ai un petit défaut là, donc je vais essayer de mettre un petit coup de crayon ou de peinture ou de quelque chose pour l'atténuer. Et puis, on se retrouve à la vidéo suivante. Bye bye !